Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour, bienvenue au forum Lyon Pôle Bourse des valeurs régionales cotées en bourse avec à présent une société ardéchoise, la société Précia, Précia Molène, avec René Colombel, son président. Bonjour. Bonjour, enchanté. Voilà, société d'origine ardéchoise et puis qui s'est rapprochée également d'une entreprise hollandaise il y a un peu plus de 25 ans maintenant. Exactement, c'était en 1993, c'était le premier pas de Précia Molène à l'international à l'époque. Et cette société possédait déjà deux filiales, une en Angleterre et une en Belgique. Et depuis, Précia Molène a beaucoup grossi puisque nous avons maintenant 18 filiales avec 7 usines et 2 ateliers d'assemblage dans les différents pays du monde. On est sur les 5 continents maintenant. Alors historiquement, on connaît bien Précia, les balances. On n'est pas sorti de ce métier-là, c'est toujours notre cœur de métier. Et voilà, donc on est concepteur et fabricant de tous les éléments d'un instrument de pesage, que ce soit la partie mécanique, la partie électronique, et maintenant la partie informatique, puisqu'on réalise beaucoup de logiciels d'application qui sont donc embarqués dans nos systèmes de pesage. C'est-à-dire que chez Précia, on ne parle pas seulement de balance, c'est un terme un peu galvaudé, mais on parle de système de pesage qui sert dans différents types d'industries. Hein, que ça peut être de la grande distribution, effectivement, hein, pour peser votre steak chez votre boucher. Mais c'est aussi des systèmes qui sont utilisés, par exemple, dans les carrières ou dans les mines, et qui sont complètement intégrés au processus industriel de nos clients. Voilà, et vous vendez dans le monde entier, aujourd'hui ? Nous avons réalisé l'année dernière 124 millions d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 35% à l'international. Et effectivement, comme je le disais, on est présent sur les 5 continents. Alors, on a une autre spécificité qui est celle du service. Non seulement nous concevons et fabriquons et commercialisons des matériels de pesage, mais nous réalisons aussi toutes les opérations de service liées à cela, donc l'installation, la maintenance, la réparation et toutes les activités de vérification métrologique ou volontaire autour de ces matériels. Voilà, votre position sur ce segment de marché ? On est parmi les 5 leaders mondiaux. On a beaucoup de sociétés concurrentes, évidemment, c'est un marché très concurrentiel. Nos concurrents sont principalement allemands, mais aussi japonais et également américains. Ce qui fait votre force, c'est quoi votre expérience, votre connaissance du marché, vos innovations aussi ? Oui, complètement. On a beaucoup, je dirais qu'on travaille sur 4 axes principaux, qui sont la recherche et développement. On sort beaucoup de produits nouveaux très régulièrement, on fait beaucoup d'analyses de la valeur sur nos produits existants. On a une activité service très importante qu'on développe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, l'activité service, donc une activité par définition récurrente, donc ce qui est intéressant pour la très bonne stabilité financière et la santé financière de l'entreprise. On travaille beaucoup aussi l'international, développement très fort à l'international, on a fait 12 acquisitions ces 2 dernières années, donc plusieurs à l'international, on est jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande maintenant, avec des implantations directes, donc ce sont des filiales Précia Molène. Et on travaille aussi beaucoup la transformation digitale de l'entreprise à la fois pour ces processus, mais aussi en intégrant des outils digitaux dans notre offre produit pour améliorer les processus clients. On sort du matériel et du hard pour aller vraiment vers la gestion des outils, enfin des informations de gestion qui sont données par nos instruments et par d'autres. Alors aujourd'hui, Précia Molène, c'est combien de salariés ? Donc combien dans le cœur historique en Ardèche ? En Ardèche, on est à peu près 250, mais dans le groupe, on est bientôt 1200. Dont 700 personnes en France et le reste donc à l'international dans les différentes filiales. Très bien, merci beaucoup de nous avoir présenté Précia Molène à l'occasion de ce forum. On arrive au terme de cette journée, de bons contacts avec les investisseurs que vous avez rencontrés. On connaît déjà, d'autres qu'on découvre, etc. Et qui sont pour la plupart très intéressés par le modèle Précia Molène, notamment notre modèle de développement qui a fait ses preuves, puisque la société a progressé d'environ 70% ces 10 dernières années et on a encore une belle marge de progression. Merci beaucoup, Monsieur Colombel, et bonne chance pour la suite. On était donc au Forum Lyon Pôle Bourse, ici à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.